Yes. Dun, dun, dun. Joe. Ah, on reçoit notre invité avec le concours des auteurs, hein, Donald Jessep, Milliard Chanchou et Colin Sontian qui écrit pour Eric Fotso. Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des Canadiens, elle s'appelle Madame Colin Chatué et on lui dit. Bon mardi, madame. Ah, on reçoit Bangue Titi Freeman. Freeman comme Morgan Freeman. Freeman. Bon, alors, il y a quelques années, quelques mois, tu étais juste un triste inconnu. Aujourd'hui, tu es quand même une grosse célébrité. Le vainqueur du concours du jeune présentateur télé, le concours du jeune présentateur télé par lequel Patricia Kelly, Thierry Carole, Dexter, Julio Trésor, si Bertrand Foncam sont passés. L'immense concours du jeune présentateur télé. Ah, il est déjà dans la tête. Donc, comme on peut le voir, c'est bel homme, beau gosse et surtout studieux, travailleur, rigoureux. Comment quelqu'un comme ça aurait pu rêver d'autre chose qu'être journaliste? Alors, journaliste à la télé, tu as souvent regardé Jean-Jacques Zé, Jean-Pierre Pernaud, tu as souvent écouté Adèle Balatangana et tu as toujours rêvé d'être l'un des plus grands techniciens de l'information, sans savoir naturellement que être journaliste, ça implique, quand tu passes à la télé, d'être aussi une star et une vedette. Comme tous les jeunes hommes de ton âge, tu as toujours aimé la musique, les voyages, le football, sans être footballeur, en tout cas, il y a une inclinaison naturelle pour le journalisme sportif. Alors, un papa qui aime les saveurs, une maman qui est d'une rigueur incroyable et qui sait se mettre à la disposition des autres, t'ont prédestiné à un cursus scolaire vraiment, vraiment très rigoureux. Tu n'es pas forcément le premier, tu n'es jamais d'entre les derniers, toujours dans le bon milieu. Avancer normalement dans ses études. Personne ne va me croire, mais vous savez, Titi Freeman a un master 1 en droit des affaires. Un master 1 en droit des affaires. Un master 1 en droit des affaires. Ah non, mais dans ce pays, il faut qu'on respecte les journalistes. Hein. Des fois, on croit que quand tu es animateur ou journaliste, c'est que tu es un bâtiment. Bref, tu as toujours aimé, donc tu n'as jamais vraiment su comment savoir, par quel bout commencer. Tu as quand même d'abord fait de la radio, 8FM, mais tu regardais le concours depuis un bon bout. Tu as vu les autres monter, descendre, triompher. Et quand tu t'es senti prêt, tu t'y es présenté. Donc, tu es venu au concours l'année dernière. Et tu as bravé toutes les épreuves, hein, l'épreuve du casting, l'épreuve des coachings et surtout l'épreuve du voting, hein, qui réunit à la fois le fait d'avoir de bonnes notes en face du jury et aussi d'avoir quand même derrière soi suffisamment de fans pour être le meilleur. Et il faut dire que tu es le meilleur, le tenant du titre, hein, jusqu'à ce qu'il y ait pour le prochain concours. À la télévision, on a l'habitude de t'écouter. On a même eu l'occasion de te voir sur C de foot et sur Canal 2 International durant la CAN, vraiment exceptionnel. Hein? Je ne sais pas si on doit dire merci à Joyce, on doit dire merci à papa et à maman, ou on doit dire merci au C. Non, on doit dire bienvenue Titi Freeman. Bienvenue à Titi Freeman, il est notre invité ce soir. On va parler concours, on va parler stage. On va parler stage, on va parler aussi passion. Hein, et on va parler passion, et on va parler futur, ambition. Voilà, à tout de suite. TMR, dit-on, mais aussi écrire en nous des émotions pour le plus grand bonheur des créatures que nous sommes. Hello, salut à toutes et à tous, bienvenue dans Urbanist, votre émission de musique. Vous faites bien d'être là ce jour car nous allons voyager à travers l'Afrique et le monde au rythme des musiques les plus chaudes du moment. On n'oublie pas votre rubrique préférée, Dédiclip, pour transmettre vos nombreux messages d'amour à vos proches. Et tenez-vous prêts, grosse surprise dans ce programme ce jour, on reçoit le King Kong du label Modeland. Alors, vous avez deviné de qui il s'agit. Restez scotchés, ne bougez pas. On se retrouve juste derrière ceci pour le début du show. Cela fait deux jours déjà que les populations des quartiers marécageux de la ville de Douala se réveillent les pieds dans l'eau. La faute aux pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale économique du pays, entraînant avec elles de nombreux dégâts. Au rang desquels les inondations, fruit des drains bouchés et des constructions anarchiques qui ne facilitent pas la circulation des eaux de pluie dans ces localités. Face à ces fortes précipitations, les habitants de ces quartiers ne savent plus où donner de la tête et appellent au soutien de l'État pour cette autre saison qui s'annonce très rude. Bizarrement, il y a un mélange de, comme je l'ai dit, de stress et de sérénité en fait, parce que après, si il faut être fair play en fait, si on n'est pas dévoilé vainqueur, il faut savoir tirer le meilleur profit de l'aventure.
Freeman, super, bon contenu. Oui, tu nous as scotché, je pense. C'est toujours avec les larmes aux yeux et un tincement au cœur que je viens vous annoncer la fin de votre programme. C'était un agréable moment passé en votre compagnie. Urbaniste, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine édition. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao. Très bon punch. J'ajouterais peut-être qu'il fallait... un peu plus de sourire, hein, de dégager vraiment de la joie. C'est ça qui a manqué, mais pour le reste, c'était vraiment c'était nickel. À part qu'à la fin, on a senti ton ciao, comme si tu voulais partir. N'aura pas droit au stage à Canal 2 International. Bien sûr, ce serait déjà un plaisir d'être parmi les trois meilleurs de cette année. Et c'est la preuve que, pour moi particulièrement, c'est la preuve que la patience a apporté ses fruits. Parce qu'il y a des années que je me serais lancé dans l'aventure, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis retenu parce que, dans mon fort intérieur, je n'avais pas encore les capacités et les compétences nécessaires. Donc, du coup, cette année, je me suis lancé. Et être déjà parmi les trois finalistes, c'est la preuve que c'était l'année adéquate. Il est avec nous.